genre de jour où il fait meilleur être fatigué qu'en mer. Mais bon, c'était prévu. C'était prévu parce que ça se joue force 9. Voilà. Et moi, si je filme là, c'est pas pour montrer ma ganache une fois de plus, c'est parce que qu'est-ce qui se passe sur Tabasco et pourquoi ils sont venus en tour. Alors, je vais vous le montrer. D'abord, il y a une camionnette. Sacrée camionnette. Et après, voilà, sur Tabasco, il y a deux artisans qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils, que font-ils? Eh bien, ils installent un portique. Voilà, le portique du Tabasco. Là, ça y est, ils attaquent Tabasco à la meuleuse. Merde, on va couler. Et bien voilà, des parties de mon bateau, la coque, et ça c'est de la colle. Ils font des trous dans mon bateau, plus cher. Voilà, c'est là, la fixation. De ce balcon, ce sont ces pièces, des rotules qui ont été inventées par monsieur Lenoir. Et ces rotules sont très 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 solides, elles sont faites maison évidemment. Et son inventeur, donc le monsieur qui est là-bas, la tête dans le camion, dit qu'on peut y suspendre le bateau, on peut y accrocher les ralingues. À la pose des supports de panneaux. La pose du panneau du portique en elle-même, c'est fini. Presque. Pose des supports de panneaux. Voilà, alors le portique, c'est fini. Maintenant, les panneaux. Voilà, les repose panneaux. Des câbles. Alors voilà, le portique, ben, c'est fini comme on a vu, et là c'est les panneaux avec monsieur Lenoirac en train de visser. Monsieur Lenoirac, un petit mot pour la caméra? Oui. Il a dit oui, c'est... j'avais dit un petit mot, il m'a dit un petit mot. Il a dit oui. Si j'avais dit un long mot, ça aurait été autre chose, mais là j'ai dit un petit mot. Ah là là, on le laisse travailler tranquille. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis dans le coffre. Voilà. Et dans le coffre, ben, qu'est-ce que je fais pour la 35e fois? Du rangement. Voilà. Et même plus, l'aspirateur. L'aspirateur dans le coffre. Alors, comment ça se passe dans un coffre? Quand il est à peu près vide, eh bien, ça se passe comme ça. Donc, on y rentre presque à l'eau. On pourrait y faire une couchette. Voilà. Voilà comment ça se passe. Le branchement de, du truc moteur, là, du contact moteur. Là-bas, il y a le vérin de pilote. Voilà. Là, une grande étagère. Et bien, voilà. Ça, c'est les trois vis. Donc, de. Du nouveau portique. Voilà, là-bas c'est le taquet, là-bas c'est la cadenne de la ligne de vie, ça c'est un balcon, ces vis c'est les listons en bois, et ça c'est le rangement, enfin le bordel, non? Voilà comment ça se passe dans le coffre. On va ranger, allez. Et alors qu'il fait pas très beau dehors.